Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous donner une astuce très facile mais bien pratique pour prélever les suprêmes d'agrumes. Alors là en l'occurrence c'est un pomelo mais ça fonctionne aussi très bien sur les pamplemousses, sur les oranges de toute taille. Donc pour ceci, bah, évidemment il vous faut un agrume, enfin des agrumes, un couteau qui coûte très bien, un couteau cranté, vous voyez. Donc vous commencez à couper les deux extrémités de votre agrume. Et ensuite, ce que vous allez faire, sans vous couper bien sûr, en faisant attention, c'est que vous allez prélever toutes l'écorce au fur et à mesure. Vous allez l'enlever. Voilà, donc vous voyez, j'ai enlevé l'écorce. Je fais tout le tour en fait avec mon couteau. Voilà. Et bien sûr, maintenant, il faut peler à vif votre agrume, vous voyez. Donc vous allez continuer avec votre couteau à enlever la peau blanche, qui sera trop amer sinon, et c'est pas joli du tout. Donc vous l'enlevez en évitant bien sûr d'enlever trop de chair, sinon c'est dommage, c'est du gaspillage. Mais vous refaites tout le tour de votre agrume pour bien enlever la peau blanche. Donc bien évidemment, quand vous enlevez la peau blanche, n'oubliez pas de vous mettre au-dessus d'une assiette creuse, d'un plat, pour pouvoir récupérer le jus, hein, parce que vous allez vous en servir après plus tard pour faire une sauce, une vinaigrette, pour le boire s'il y en a beaucoup. Sinon c'est dommage aussi, vous le perdez et en plus vous allez tâcher toute votre table. Donc pour prélever le suprême d'agrumes, c'est très simple. Avec votre couteau, vous voyez, vous allez le long de la membrane. Voilà, vous découpez évidemment en faisant attention de ne pas vous couper. Ensuite vous allez de l'autre côté de la membrane et vous découpez comme ça un suprême. Regardez, c'est très simple. Moi, à chaque fois, je m'embêtais à peler à vif, je le découpais en morceaux, enfin, je faisais un massacre. Alors, regardez, c'est vraiment très simple. Vous avez votre suprême, et en fait, vous continuez à chaque fois. Vous faites le tour avec votre couteau, vous découpez le long de la membrane, des deux côtés, et à chaque fois, vous obtenez votre suprême, et vous faites comme ça tout le tour de votre agrume. Voilà, donc là, regardez, j'ai terminé, donc j'ai prélevé tous les suprêmes. Et là, pour éviter de jeter tout ça, il y a encore beaucoup de jus, vous pouvez le presser, voyez, vous le pressez. Et ainsi, vous pouvez vous en servir, comme je vous disais, pour faire votre vinaigrette, pour le boire, pour le mettre dans la sauce, même vous pouvez le mettre dans un plat salé éventuellement. Donc vos suprêmes d'agrumes, vous pouvez vous en servir en fait dans plusieurs recettes. Donc il y en a déjà sur le blog Gourmicom. Vous pouvez le mettre dans des verrines, vous pouvez le mettre dans des brochettes de fruits, des brochettes avec du poulet par exemple. Vous pouvez le mettre dans des ceviches, c'est très bon. Donc les plats d'été, vous pouvez les faire cuire aussi. C'est vraiment très pratique en été en fait. Et voyez, c'est vraiment très très simple. Plus besoin de s'énerver à tout découper, en mettre partout.